Ok, le micro marche. Salut à tous, c'est Gros, on se retrouve sur Cradle pour la suite, hein, puisque ces gens-là veulent la suite. Chaque fois que je dis que je vais pas faire la suite d'un jeu, de toute manière on me tombe dessus pour me dire bah fais la suite. Et dès que je veux faire la suite d'un jeu, on arrive, on me fait bah non, on met un coup de pied dans les rotules et on me dit non, tu fais pas la suite. Donc voilà ce que c'est mon expérience avec cette chaîne. Donc si je m'arrête dans pas longtemps, soyez pas surpris. Alors, je crois qu'on s'était laissé à peu près par là. Il faut appeler les évacuateurs, ils viendront me chercher. J'essaie d'en lire. Quel marqueur? Je crois qu'on l'avait fait ça. Peut-être parce que t'as un vase à la place des jambes, non? Ça c'est bizarre. Tell me about artificial bodies. About bodies? Ce dialogue ça finit jamais. Hein. J'ai dû me le retaper là au début de la vidéo parce que le jeu ne sauvegarde pas de toute évidence en plein milieu des dialogues. Hold on. Why replace people's bodies? Because of the epidemic. There was a virus that spread across the globe, a sterility virus. They couldn't fight it, so they developed this. Kind of like a personal refuge. Right, a temporary refuge. People use it to hide from decrepitude. Once the virus is cured, we'll be able to return to our regular bodies. The virus could be gone by now. Je pense pas. It's been years. I don't know. It was just so. No treatment worked. Not antibiotics, nothing. There was only one substance capable of destroying the virus. How was it accumulated? It was extracted Chips. From people themselves. Human beings produced it with their nervous system. System? I don't get it. J'imagine déjà des bonnes petites usines où on l'extrait. Can only be extracted from emotions. Hmm. Whenever you experience Marché de l'humain, ça va être cool. Any emotion, your M-body manufactures a little bit of the substance. C'est mon amour qui va te sauver, je le sens. Yes. Ce sera un vrai conte de fées. Capable of making a remedy against the virus. As a result, Passium skyrocketed in value. Source de revenus. Et voilà, super. Bah bien. Yes, although. Bien, bien, bien. There were people whose substance was considered more valuable than that of others. Who were those people? People that were special somehow. They had something. They were greatly respected. I can't remember. Breathe? You need oxygen? I simply need to inhale air. It's been inherited from my former body, a reflex. I can't get rid ah of oui, it. Tu peux pas ouvrir la bouche, ça te fait All chier, hein. Bodies have a special module built in for this very purpose. It imitates breathing. Can I help you somehow? I need a breathing module. Could you find it for me? Where do I look? We're in the middle of the step. The step and nothing else. Describe bon, juste un petit parc immense à côté. The river, some abandoned complex. What kind of complex? A big dome with multicolored sails. Putain, je vais enfin aller dans ce dôme et ça va être avec vous, ça va être génial. I've got access to it. The Gerbera Garden. Enibish, I remember this name. I used to have a connection to this place. Looks the part. M-body parts were stored there. In the pavilions. It should definitely have a breathing module. Je vais pas demander pourquoi il y a des pièces right. dans un parc d'attractions, ça me semble logique. Find the seventh pavilion. I'll try to find the password to the file database, it may contain my data. If I remember anything, I'll contact you. All right. Bon, j'espère que vous allez me donner une tâche là, merci. Parti sauvegarder déjà, ça me plaît. Ah, on est de retour dans ce moment. Je savais que ça allait vous plaire en plus, bande de salauds. Mais au point de me demander de faire une autre partie. Alors, réflexe de respiration, dirige. Yes, yes. Trouver un moyen de pénétrer dans la zone interdite. Ok, l'autre fois j'avais fait le tour, hein. Je vous l'ai déjà dit. J'avais pas trouvé d'entrée, donc on va voir. D'ailleurs, j'ai faim, mais j'ai un éclair au chocolat devant moi que je peux pas finir. J'avais jamais vu ça là. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Shudan. Service postal de Mongolie. 1er juillet 2058. Et là on est le combien? On est... je sais pas. Putain, j'ai pas de mail donc. Oh! Non! Ah, je vais m'en servir donc de ce système de mail. Ça va être facile, ça va se rappeler qui est là, tiens. Juste pour une baraque quoi. Bon après il y avait le parc et tout, donc il fallait bien que je vive ici avec mon grand-père et Angot. Bon tout de même.
Comment je vais rentrer là? Je sens pas du tout ça. J'adore le design de ce truc aussi, on va pas se mentir. Je sais que vous aussi vous l'aimez bien. Je le sais. C'est le pif du youtubeur à succès. Ok. Bon, bah j'ai essayé. Quelqu'un qui m'a dit qu'il aimait bien les nuages, lui. Ouais, bah je comprends qu'on puisse aimer. Hein. Moi, je trouve ça horrible. Non, ça me choque pas plus que ça, mais c'est juste. C'est vrai que ça fait un décalage, quoi, avec le monde. Pas pour autant moche, mais. Ah, si je fais ça, je peux passer par-dessus, non? Attends, il faut vraiment que je fasse le tour. Là, j'ai déjà fait ça. On est déjà passé par là, les gars. Ah! La branche. Je me rappelle pas qu'elle était là l'autre fois, elle. Alors, je l'avais pas vue, et là, je suis vraiment un binocle. Bon, on est parti. J'ai pas beaucoup de temps hein, pour la faire, la vidéo, parce que là, il est quoi? Si vous vous rendez pas compte, il est juste 3 heures, hein. Donc, lol. Ça, on s'en fout. Ah, il y a une boîte jaune. Un cube! Non, je peux pas la ramasser, c'est le cube du tuto. Attends, on est à l'intérieur, j'arrive pas à croire. On va entrer dans ce truc, vous êtes prêts? Incroyable. Je pourrais totalement faire un vlog, là, si je montrais ma tête sur la chaîne. Ici, là. Ones whose passing was regarded as more valuable. It was their genes that made them special. Their DNA had fewer errors. In other words, these were people with good heredity. Such people produce a special kind of passing, which contains a valuable component. It was this component that was needed to fight the virus and not the whole substance. That was why they commanded such respect. Humanity's struggle against the virus hinged on them. Must be noble. Everybody used to say that the emotions of beautiful people were our salvation. Oh putain, j'ai cru. Oh! Oh! Génial. Absolument génial. Je peux aller à droite ou à gauche? Je vais aller par là, je m'en fous. Oui! Ça, c'est génial ça. Putain, défonce l'entrée. Oh! Je pensais pas que t'allais le faire. Tu vas loin, hein? Putain, ça devient un jeu pour les gros flemmards. C'est génial, j'adore. Ah, ça sert à ça cet endroit, d'accord. C'est trop bien, putain. Wow! Ça fait des frises. Non, je veux pas descendre. J'ai plus que 148. C'est génial ce truc. Comment ça fonctionne? Je vais juste voir dessous. Ah! Ça va, je peux me mettre là. Et on se barre. Plus que je voulais dire, du coup, oui. J'ai plus que 148 gigas. Ça paraît peut-être beaucoup, mais quand on filme, c'est que dalle. Je vous le dis. Alors, essayez pas non plus de dire à un youtubeur ce qui est bien ou ce qui est pas bien, parce que bon, vous avez... Enfin, vous êtes pas youtubeur quoi, c'est un vrai métier. Un vrai métier. Bon, je vais y aller à pied là, tu m'en veux pas, mais... Je descends. Je m'en descends où je veux, comme un rebut. Allez, hop. Il est parti. Il était là, le truc, il était posé là. On voit la tâche. Et c'est cool, là. Là, c'est cool. Bon, là, on va pas se mentir, on y prendrait un screen, quoi. On y boufferait, là. On y boufferait, on se mettrait par terre, on y mangerait. Bon, tu sais pas du tout où je vais. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'est génial! Est-ce que je fais vraiment... Ah oui, ça touche des trucs, ça fait des étincelles. Ça, les jouets du futur. Non, mais je la garde par contre. Par contre, hein, je la garde. Mais je suppose qu'elle. Je la soupçonne de pas fonctionner en dehors de la bulle. Ok. Certes. Là, il y a une porte. Cloud Country. Elle m'a dit où déjà? 7ème pavillon. 7. Ok. 1, 3. Mais ça va, les gars, vous pouvez compter comme. Ah, il y en a un là-haut! Putain, mais non, bah, je veux faire le toboggan. Forcément, je veux faire le toboggan. Est-ce que je vais pouvoir? Putain, c'est un tube. C'est Futurama, c'est génial. Oui! Boum! Attention à la tête. On l'a vu. Oh putain! La mort douce, quoi. Un léger fond. Ah, d'accord. Oui.
finalement c'est pas grand chose. Je peux pas le garder avec moi ça? Je n'ai pas besoin de ça, mais quitter! Tu me dis pas ce dont j'ai besoin ou pas besoin. Par contre j'ai dit que je faisais un truc donc je vais le faire. Ça c'est... il faudrait me connaître. Je commencerai à faire des jeux en fonction de moi, quand j'ai dû faire des choses je les fais. Oui! Alors, sans tomber dans le vide. Hello! Je sais pas en quoi sont ces ballons, mais on dirait des ballons de rugby, de football américain, de ce que vous voulez. Ouais. Ouais. Du fun en perspective. Ça sert à quoi? Rien. Mystère résolu. Oh oui, il y a une animation et tout. Et on est parti. Oui. Le mec il s'éclate. On va pas se mentir, tout le monde ferait ça. N'importe qui aurait fait ça. Situation de crise ou pas, il y a un truc ultra flippant là. Que j'ai même pas envie d'aller voir. Ok, j'ai essayé d'aider. Oula! Ah mais c'est fait exprès. Faudra mettre un truc ici. Putain mais je veux que ça bouge ça. Tellement que ça bouge. C'est là où il fait des pestacles. Ah il y a des chaises et tout. Ici je peux y aller, c'est encore un tube. Non, j'ai vu un... Non! Fuck. On peut. Faites un geste de confirmation après le bip. Y'a pas eu de bip. Toile d'araignée. Ah je peux pas vraiment monter. Si peut-être que je peux mais. On va voir déjà, on va faire ce qu'il faut faire. S'il doit être fait même si je puis dire. 7. 7 c'est ? Ou 8 ? 7. Excusez-moi, rien que faire le tour de ça déjà, ça va durer toute la vidéo en fait. 7 est là. Ok, on monte avec ça. J'ai faim, il y a mon éclair et je peux pas parce que je fais comment moi? Je me déplace de la main gauche donc je peux pas manger même de la main droite quand je bouge parce que l'éclair est sur ma gauche. C'est ridicule cette situation là. Ridicule. Tu vas pas essayer, tu vas le faire parce que ça commence à me gonfler cette situation. Hello, ça me semble safe. Et si je sautais là-dessus? C'est bon? J'ai entendu un vague bruit. Ok, bon, tu veux me faire quoi là? C'est une chambre d'isolation ça. Premier effet, c'est se mettre dans un coin. J'ai faim, je mange, m'en fous, quel qu'en soit le coup. Ça rime! Oh non, non! Non, non! Non, non, non! Tellement bien choisi mon moment en fait. Ça va, vous entendez pas? Vous entendez pas? Ça va alors. What? Oh non, mais c'est quoi ça? Tombez pas dans l'eau? Bon, on va le faire. Oui, bah oui. OK. Je peux être 30 tubes bleus. Cubes. Combien j'en ai? Je peux savoir des fois. 1, 2, 3, 4. Il faut que je... Ah, je les foute là-dedans. Ok, je croyais moi que ça allait être un truc super rythmé et tout. Ouais, super. Ça va pas prendre 10 ans en plus, c'est ça qui est cool. Il y a des cubes rouges méchants là. Oh. On va descendre là. Non! J'ai perdu un étage. Vite.
Donc les cubes rouges méchants contre-attaquent. Maman, les cubes rouges! C'est pas du tout un puzzle auquel je m'attendais. J'espère juste que tous les puzzles de Spark vont pas se faire comme ça, quoi. Non! The fuck! Casse-toi! Ils veulent péter mon cube bleu à chaque fois que je le mets. Ça, c'est impardonnable. Y a pas d'excuse pour ce comportement. Oh mon dieu, j'ai réussi. Oh! Bon. Pour vous mentir, c'était pas la meilleure expérience de ma chienne de vie. Mais c'est... voilà. J'espère juste que ça va pas être comme ça les puzzles à partir de maintenant parce que... Je serai assez triste finalement. Donc on a réussi son truc là. On a eu la pièce de mémoire, c'est ça? Y a pas intérêt qu'elle nous fasse revenir à chaque fois qu'il faut qu'il manque une partie là. Parce que ça va hein, les conneries là. Je préfère me balader dans le fun de la steppe. Ah bah. Breeze module. Oui. Allez, je prends le toboggan. Allez, jette-toi là. Fais pas de temps. Oui. Tu te branches dans la tête. On n'en parle plus. Bon, je vais lui ramener. Trouver un moyen de sortir du complexe. Je crois que je vais trouver. I don't know whether this would be useful, but there were people that were dubbed outsiders. For whatever reason, they sought to spread the sterility virus. They were the reason the virus became a global scourge. But how they did it, or why, that I do not remember. On a commencé le matin, non plus, et là c'est plus dans le ciel, j'ai l'impression. Il fait plus clair et tout. Après c'est que mon avis quoi, calmez-vous. Le truc s'est remis dans le sol tout seul, c'est pas mal. C'est une bonne idée. GG à lui. Oui. Allez, lève-toi. Y a plus de doute maintenant, je sais que tu vas le faire. Hop. On va à gauche s'il vous plaît, merci. Hop 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 hop. Allez, on est parti. Wow. Nouvelle tâche ajoutée. Ah oui, bah tiens, ça nous arrange. Et hop. Peut pas en mettre un. Mais je suis trop loin de chez moi en fait là. C'est quoi cette merde, tu vois? Ah mais je suis trop loin putain, c'est de la merde. Tout ce que je dois marcher là. C'est vrai qu'il y a un sentier là. Est-ce qu'il y aura Ongoat? Ça c'est la question que je me demande. S'il n'y a pas Ongoat quand on rentre, j'arrête. Faut pas se mentir, dans tous les cas j'arrête parce que je suis à 30 minutes d'enregistrement et j'ai plus de place, je vois que ça rame. Donc il va falloir qu'on arrête. Je vais juste lui donner son truc, mais elle va me parler pendant 20 minutes encore, hein. Tu vas me parler. Éteins-toi. Ok. Yes. How do I install? On va peut-être t'éteindre, non? There should be a pipe inside the chest. A trachea. The air. All right. Hop. Allez. Go to sleep. Ah oui, bon, bah, pas go to sleep alors. Ah ouais? Si je fais ça. Et pardon, je suis désolé, c'était méchant. C'est gratuit. Je suis un peu énervé de plus avoir de place sur mon disque dur, certes. Comment c'est impossible là? Mais. Thank you. Y'a pas de quoi. Finally, I'm breathing. Bien joué. How goes your search? Did you find the password? Not yet. But I did remember a bit about myself. I used to work here at the Gerbera Garden as a teacher, I think. I remember kids being brought here to watch a show. They would then play in the pavilions, carry boxes. Strange indeed that it was built here. There's something I don't understand. Il était pas légal ce parc, moi je vous dis. You said it was abandoned, but it's still operating. It's got power. Why wasn't it taken down? There was an explosion. It's full of some poison. Ok. C'est ça ta réponse? J'allais ajouter une insulte, hein. Je me suis retenu. I think I know what it was that exploded there. Disparatoxin. What's that? That's the substance from which the virus came into being. The epidemic began after one such explosion. One? You mean there were other explosions?
several hundred, all across the globe. Oh, bah oui, ça va alors. Who carried out the explosions? Remember, I was telling you about the outsiders? The explosions were their handiwork. Were they terrorists? What was their goal? No goal to speak of. They weren't even doing it on purpose, really. Simply, sometimes their passium capsules would explode in their chests, spontaneously. The emotions generated... What was wrong with it? C'est quoi ce bordel? C'est atroce! C'est quoi cette histoire horrible? It's a kind of dark liquid, which may suddenly turn poisonous and explode. Those people were carrying a bomb in their chests. It wasn't their intention to massacre thousands of people and strip the entire race of the ability to procreate. But that's what happened. But how are they different from the others? Genetic defects. The more defects in the DNA, the more bitter the passium becomes. Outsiders were at once pitied and feared. Nobody wanted to live next to a time bomb. Many outsiders left their hometowns. C'est pas mal. They didn't want... So that's why they were called outsiders. L'univers en tout cas est cool, franchement. They were called all sorts of things, including lower class and ugly people. I still remember the slogan. Protect society from the emotions of ugly people. What an unexpected problem for society. But not the only problem. Living in an M-body requires fuel, and fuel can only be obtained in exchange for sweet passium. Provided you have it, which the outsiders did not. Eh ben écoute. Spongers? They were issued poor heredity assistance. Je vais faire des paragraphes à chaque fois un peu plus long comme t'es en train de le faire pour voir. The fund was founded and sustained by a special tax that was levied on all the citizens. First and foremost, on the beautiful elite. A lion's share of the reserves went towards supporting ugly people. Thus, they became a constant headache, not only spreading the virus, but also draining the rescue fund. Parasite, crise, gracieux, toxique, trois petits points. Où tu vas avec cette phrase? Ugly, poisonous spongers. It was their emotions that were poisonous. Uglies are dangerous merely by living and feeling, in that they deprive the rest of any hope of returning to the way things were. I remember all the heated debates. And did they find it? Yes, I think okay. So. The committee proposed a hibernation program, putting the uglies to sleep. Come again? What kind of sleep? Deactivation. A voluntary shutdown. A temporary one until the virus is destroyed. And many of them agreed, realizing it was the best option they had. I don't know whether it helped or... Hold on. Qu'est-ce qui t'arrive, ma brave? Il me manque un module. The password. I think I got the right one. Yes, I'm in. I see the files. Trying to find info on the employees. It should have my data as well. You've got strange eyesight. Why is that? You see virtual files. I wouldn't refuse regular eyesight either. It's all dark, but I can't figure out what's broken. The screen on your face. It's broken. It's called a look screen, and yes, it's damaged. Bon, si tu me corriges comme ça avec autant de condescendance, tu vas te prendre des claques et tu vas rester un vase toute ta vie. Bah peut-être, ouais. Derrière un petit puzzle. Allez. There probably is, but it won't recover my sight. Something is up with my lens, and the garden wouldn't have those. Nor do I know where to find them. I suppose I'll look for a lens then. Ça va être facile, tiens. Where? In the field? There's nobody around. Oh! What was that? Je sais pas, je vais aller voir. Putain, je sais ce que c'est, moi, j'ai entendu ce bruit. Laisse-moi partir. Ah! Ouh! Oh! Bon, j'allais arrêter la vidéo, mais je peux pas arrêter là-dessus, je suis pas un monstre. Quoique, allez, on arrête. Vous avez vu votre tête? Ce klaxon, par contre, est horrible. Ah, mais il y a quelqu'un dedans. Ah bah oui, c'est la personne du screen que j'ai mis en miniature cette fois. Hello. Ah, t'es ce genre de mec. Un drogue addicto, en espagnol. T'es, il est trop cool ce truc. En fait, Institute of... Ouais, ça aurait été trop beau. Neurofield. Ah. Un usage de JPEG et de modélisation astucieuse. Et merde. Bah écoutez, nous on s'arrête quand même avant de parler à
ce brave homme avec un rétro totalement pété. Parce que voilà, sinon on est reparti pour combien ? 1000 ans ? 1500 ans ? En tout cas, une chose est sûre, c'est que là je fais un screen. Hop. Et je vous dis à plus pour la suite peut-être. Salut ! Ah bon, on regagne un peu de vie aussi quand on arrive à parer. Ça peut être intéressant. Ah, ça terre. Yes, j'ai réussi, ça me redonne ma vie. Fouf. Et ça m'a redonné une barre, je crois.